Bonjour, écoutez le bruit de mes oiseaux. Quelques minutes avant que je commence.
Bonjour, bonjour. Comment ça va? Pour avoir du sac de paille, non. Voilà mon sac avec le lion. Bon, je vais vous lire les cartes aujourd'hui. Hier, je voulais lire les cartes, mais je ne les avais pas à la maison. Donc, je suis venue au bureau. Bonjour. Voici ce qu'on a en live dans ma maison le matin. Voilà tous les bruits que vous avez ici. Un arbre, vous savez, plein d'oiseaux. Ceux qui sont déjà venus à mon côté, vous connaissez. Donc, je vais tirer quelques cartes aujourd'hui pour vous. Je pense que les cartes les choisies, c'est pour les personnes. Choisi. Donc la première carte, c'est la carte du guérisseur. Vous êtes des guérisseurs, vous êtes des chamans, vous êtes des dieux, vous avez un pouvoir restaurateur à l'intérieur de vous. Vous avez un pouvoir restaurateur à l'intérieur de vous. Le temps où vous doutiez de vous est passé. Le temps où vous attendiez toujours que d'autres personnes vous confirment ce que vous portez. Ce temps est révolu. Maintenant, on est dans l'ère de l'activation des pouvoirs. Voilà la carte qui est sortie seule. Agent de lumière. On est dans l'ère des agents de lumière. On est dans l'ère où les agents de lumière, les guérisseurs... En fait, l'esprit me dit qu'il y a nos précurseurs, c'est-à-dire les personnes qui étaient là avant nous, qui ont souffert, qui étaient incomprises, dont les pouvoirs n'étaient pas reconnus, qui avaient de la peine à se montrer, qui n'avaient pas TikTok, qui n'avaient pas Facebook. Et donc, ces personnes devaient opérer dans le noir. Ces personnes devaient fonctionner en cachette. Et ça me rappelle un peu une ère où, quand Jésus est parti, on a commencé à persécuter les chrétiens. Et il y a eu une époque où, pour dire même que tu étais chrétien, il fallait du courage parce que tu étais sûr qu'on allait te tuer. Donc, l'Esprit me montre en fait que beaucoup d'entre nous, les agents de lumière, les gens qui étaient là avant nous, ont souffert. Les agents de lumière qui étaient là avant nous. Et maintenant, à travers... maintenant, le pouvoir est en train de s'activer dans tous les coins de la terre. Parce que vous m'écoutez, par exemple, vous m'écoutez de partout. Voilà, voilà quelqu'un qui me suit depuis Haïti, par exemple. Écoutez-moi juste, je ne réponds pas aux questions aujourd'hui. Je parle juste aux agents de lumière. Si tu écoutes, tu ne peux poser ta question. Je ne réponds pas aux questions aujourd'hui. Je tire les cartes, je vous donne les messages que j'ai pour vous. Si ça vous parle, c'est bon. Si ça ne vous parle pas, c'est que peut-être c'est un autre jour. Voilà. Merci.
Ah, j'ai même pas blessé. Il dit que si tu n'as pas de... Mais le réseau, j'ai accepté, non, parce que ça vient de toi. Ok. C'est un privilège. En tout cas, ça fait plaisir. Alors, comment tu vas? Tu es dans quelle ville? À Douala. Ah bon? Moi aussi, je suis à Douala. Ah, Donc, tu fais quoi dans la vie, Constantine? Est-ce que tu bien, travailles c'est du que tu sel? fais? Ah, je suis informaticien. Tu te laves avec du sel alors? Constantine, tu te laves Ah, avec le le sel? réseau dérange, c'est ça coupe. Ouais. Le réseau ne nous permet pas de communiquer aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Tu te laves avec le sel, Constantine. Ah non. Il faut te laver avec le sel. Alors, tu as une bonne aura, mais tu as aussi beaucoup de soucis d'argent. Ton énergie n'est pas stable. Tu vas avoir des jalousies côté maternelle, peut-être tes tantes. Parce que tu es quelqu'un de date. Dès l'enfance, on a vu ton énergie. Depuis que tu es petit, on a vu ton énergie. Oh, c'est ça. Et tu es aussi très incompris dans ta famille. Tu as du sang très ancien. Tu as les dons spirituels qui vont s'ouvrir un peu plus tard. Tu me suis. J'espère que tu entends ce que je dis. Parce que parfois, il parle comme ça pour me dire que ça Oui, finit. j'attends. Tu as des dons spirituels qui vont Oui, s'activer un peu j'attends, plus tard. j'attends. Mais tu as aussi beaucoup d'argent qui est dans ton énergie. Commence à te laver avec le sel. Fais ton travail spirituel. Ça va élever ta vibration. Je dis souvent, ta vibration va être élevée. Et tu es quelqu'un que tu es censé être une célébrité. Tu le sais en toi. Quelque chose en toi te le dit. Tu es censé être connu. Merci beaucoup. De rien, Constantine. Est-ce que tu fais rire les gens? Quand les gens te trouvent souvent drôle, je sais pas pourquoi, mais je te vois soit en tant qu'acteur, soit en tant qu'humoriste. Et quelqu'un qui relaxe les gens. Constantine? Oui, et cela. Est-ce que tu fais, tu es drôle? Je te vois soit comme acteur, soit comme humoriste. En tout cas, tu es quelqu'un qu'à travers tes dons, tu vas apaiser les gens. Pense à faire, pense à prendre des cours pour être acteur. Ça va t'aider. Ok. Ouais, j'avais commencé ça, ça fait peut-être 3 ans, mais j'avais laissé ça. Ah, tu vois. Souvent, l'esprit te parle, tu fais ta chose, tu commences, après tu laisses. Alors que c'était là-bas, c'était ça qui devait te donner, je sais pas, qui devait te faire être connu. Il faut recommencer, il faut relancer. D'accord. Il faut passer à Makepe. Mon magasin est à Makepe. Derrière Paja Center, lycée de Makepe. Tu passes là-bas prendre des produits. Ok. Bonne journée. Ok, merci, merci. Merci. Ouais. Vous voyez ça? Parfois, je demande toujours à Dieu la grâce ou la capacité de ne pas abandonner mon talent. Vous savez combien d'acteurs il y a dehors qui ne sont pas. Vous avez les dons en vous. Vous avez commencé, mais vous avez abandonné. Je vous en prie, n'abandonnez pas vos rêves. Je vous en prie, I beg you. Il a commencé, il a sûrement eu peut-être des besoins d'argent, il a laissé tomber, il est parti faire quelque chose qui devait donner l'argent immédiatement. Parfois, ce n'est pas évident dans la société de suivre ton rêve. Ce n'est pas évident de suivre ton rêve parce que tu as l'impression que ça va prendre trop de temps. Et c'est comme ça que tu abandonnes, tu te retrouves plus tard à 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. En fait, tu as raté parce que il n'y a que ta chose, il n'y a que ton don là qui va te porter devant les rois. Il n'y a que ton don.
peux pas savoir comment il m'a. Quand il m'a dit qu'il a abandonné ça, ça m'a fait mal. On ne promet pas que ce sera facile. Mais n'abandonne pas. J'ai parfois, je lance certains projets, c'est tellement lourd. Je me dis, Seigneur, j'aurais pas les côtes, j'aurais pas l'énergie pour finir. C'est là que je me rends compte que il y a des degrés de projet. Il y a des degrés. Le petit degré, le moyen et le grand. Les projets de grande envergure, là, tu vas prendre même 10 ans pour faire ça. Chaque année, tu fais. Chaque année, tu fais. Chaque année, tu fais. Chaque année, tu fais. Après un beau jour, bam! C'est seulement le président qui te dit que maman, viens dans mon palace. On t'envoie seulement le billet. Mais les gens ne vont pas savoir. On va te voir devant le président. Oh, I want to be like her. On ne sait pas que tu as fait 10 ans. Quand tu travaillais, personne ne voyait. Vous attendez, ce que j'ai vu qui stoppe trop nous, les jeunes, c'est le perfectionnisme. Je dis toujours aux gens, je peux vous montrer le chantier ici, là. Parce que le TikTok, il reste peut-être 3-4% de batterie. J'arrive pas à brancher les fesses. Attendez, je vais tourner l'écran, je vais vous montrer. Moi, je vous dis, je parle toujours pour ma part. Pour les autres, je ne sais pas. Donc, je vais un peu marcher dans ma cour ici, je vais vous montrer. Voilà, je crois que vous voyez. Donc voilà les ateliers de vacances. Je vous ai toujours dit que ça c'est la 2019 j'ai lancé, ça n'a pas marché. 2020 on a commencé. 21, 22, 23. On est en 23, c'est-à-dire 4 ans. Là c'est la quatrième édition qui est effective. Et la cinquième année que je lance, quatrième édition qu'on a fait finalement. Donc camp de vacances ici là, c'est pour que les enfants viennent dormir sur place. Donc voilà ça, ok. J'avance maintenant. Je vais vous montrer ce que je suis en train de construire cette année. Pour ceux qui sont venus à ma capelle, ça c'est la vitrine où on vend les choses. Vous savez, j'ai pris au moins ce 3 locaux. On m'a chassé. Je me rappelle, j'ai pu aller loger dans un immeuble une fois. L'immeuble de quelqu'un qui est très connu. Sa secrétaire est venue lui dire que j'ai parlé mal de lui sur mon statut WhatsApp. Ça faisait à peine un mois et demi qu'il était là-bas. Il m'appelle, il me dit que je dois partir. Il dit que grand frère, comment? Il dit que tu dois partir. Il veut un mois pour porter ton école, vous partez. Donc, voilà la surface que j'ai aujourd'hui. On va finir carrelé aujourd'hui normalement. J'ai demandé les locaux des gens. J'entre et je quitte de là, je pars chez une dame. Je dépense mon argent, j'arrange sa maison. J'ai dépensé 1 999 000, un truc comme ça, ou 18 000. Je finis. Elle me prend, elle me met en cellule. Bonjour les petits oiseaux. Oh, voilà les oiseaux. Bonjour les oiseaux. Voilà. Je finis. La dame me prend, elle me met en cellule. Elle me chasse de sa maison. Je demande qu'en est-il de mes 1 million que j'ai dépensé. Elle dit, madame, je ne vous connais pas. Je quitte encore de là, je fais peut-être un an à la maison. Mais les prochaines vacances, je relance encore. Et en relançant, je pars chercher un local où je payais 25 000. Là, c'était en 2021. 2022, je venais d'avoir cette maison. On a fait ça à l'intérieur là-bas. Je vais vous montrer l'intérieur tout à l'heure. Voilà 2023, je suis en train de faire ça. 2024, ce sera une autre dimension. Le problème avec vous, c'est que vous abandonnez. Voilà mon problème avec vous. Je vous dis, moi, Roha, vous abandonnez. Vous abandonnez. Voilà, voici les toilettes ici. En tout cas, ceux qui sont venus à Makepe, voilà, ça, voilà les toilettes de l'extérieur. Je m'appelle le jour où j'étais en cellule. C'était en cellule en 2020. Octobre 2020.
Après, j'ai passé 2 mois de travaux sur son local. Il dit que Seigneur, donc ma part de portion dans la vie, c'est seulement que je prends la maison, je fais, on me chasse. Je prends, je fais, on me chasse. Donc voici là où les enfants travaillent actuellement en attendant qu'on finisse le derrière là-bas. Le derrière là-bas, je crois qu'on a un truc comme 150 mètres carrés. Donc c'est ici là qu'ils travaillent normalement. On va les tatamis pour le judo là-bas. On va les caser. Bon. Vous ne comprenez pas que le principe de la vie, hein, la vie veut te tester. Est-ce que la fille, là, est-ce que, comme elle vient parler aux gens, là, est-ce qu'elle aime ce qu'elle dit là? Ce qu'elle dit aux gens, là, est-ce qu'elle croit même? On va te tester, ne te dérange pas. Aïe, 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 je vais écrire mon livre avec mes blocages, comment on a fait dans cette maison, là, où c'est dans cette maison, dans ce pays. Et il a confirmé le code. J'ai vu, j'ai lu l'heure. J'ai lu l'heure sur le calendrier des badjounets. Tu le père. Que les badjounets attaquent en un offre. Ah, le père, c'est. Oh, yeah. Oh, Bagna. Je parle comme ça pour que ça puisse. Moi, j'ai des choses de moi que j'ai vues, que j'ai dit que je ne vais pas abandonner. Je m'en fous de ce qu'on dit. I don't care. Je m'en fous, je ne vais pas abandonner. Alliance, tu me dis beaucoup de courage. Je n'ai pas besoin de votre courage. Hein. Moi, seul là, il y a 1000 courage dans moi. Il y a le courage de 1000 personnes dans moi. Il y a le courage de 1000 personnes dans moi. Et je me rappelle la femme qui m'a mis en cellule là. Elle me dit que tu es trop insolente. J'avais jamais rencontré le monsieur qui me disait que je suis insolente. Parce qu'elle avait envoyé quelqu'un porter plainte contre moi. Donc, ce n'était même pas. Il me dit qu'on va te montrer. Que tu veux nous montrer que quoi? Tu es trop insolente. TikTok, le téléphone là ne charge même pas. Donc quand TikTok va s'arrêter, je vais charger, je vais reprendre le direct sur un autre téléphone. Là, je suis à 1% de batterie. Et quand je branche, ça ne fait même pas comme ça veut charger. Donc le direct de TikTok va bientôt s'arrêter. C'est vous qui êtes là, vous prenez la vie des gens. Eh, hey, pardon. Tu as le talent en toi. Dieu t'a dit que fais ça. Tu commences. On vient, on te bloque. Tu commences, on te bloque. Tu commences, on te bloque. Tu dois croire que si j'ai vu, ça veut dire qu'il y a moyen que ça se fasse. René Mila, je suis à Makepe. Je vous ai montré, je suis à Makepe. Si tu viens même ici maintenant, tu vas me trouver. Derrière Paja Center, il y a une menuiserie. Ma maison en face de la menuiserie là. C'est là-bas que mon centre se trouve. Pensez que quand tu es appelé à faire quelque chose, tu n'auras pas les embûches. Tu n'auras pas les embûches. Quand il y a des gens qui disent qu'ils veulent partir en Bing, même en Bing, tu vas travailler. Mais je me suis dit que peut-être reste au pays et travaille. Si je dois mettre mon énergie dans un pays, pourquoi ne pas mettre ça chez moi? Pourquoi ne pas mettre ça chez moi? Vous avez toutes les excuses. Et j'ai compris que tu n'as pas besoin de compter sur quelqu'un. Tu n'as pas besoin de compter sur quelqu'un. Je ne sais pas vous le nombre de personnes qui a dit que attends, attends, je vais t'aider. Après, je vais m'arrêter de demander aux gens. Hein. J'ai arrêté. Je reste et fais mon plan. Je dis seulement que je vais faire. Il ne dit même pas à quelqu'un. Les gens voient que je suis en train de faire. Il ne dit même pas. C'est vous qui demandez la vie des gens. Ouais, tonton, aide-moi. Tu n'as pas remarqué que ton tonton ne veut pas t'aider? Hein? Ton tonton, pour faire le mettre son argent, se tise là-bas. Ou se tise, c'est quoi? Si c'est un de tes anciens amis, il va vouloir te donner l'argent là que dans la chambre d'hôtel. Et laissez tomber. Comment est-ce que vous allez inspirer les gens demain en sachant que l'argent que vous avez utilisé pour construire ce que vous faites là, c'est l'argent que vous avez fait les mauvaises choses avec. Les agents de lumière sont en train de percer, je vous le dis. Les agents de lumière qui ont persévéré, ils ont percé. Ils ont percé, ils sont en train de percer. Ils sont en train d'inspirer d'autres personnes. Moi, je ne considère pas ça comme des souffrances, reine de Dieu. Parce que tu me dis que les souffrances de ça.
Je ne prends pas ça comme des souffrances, je prends ça comme des obstacles qui me fortifient. À chaque obstacle que je vois, ça me fortifie, ça me rend plus forte, ça m'élève encore plus. Donc c'est pas une douleur. C'est pas une douleur. Comprenez que nous sommes dans une ère où les gens sont en train de se réveiller. Les rêves qu'ils avaient en eux sont en train de se concrétiser. Courage, on a. Les jaloux là n'arrêtent pas de nous bloquer. Ma chérie, tu l'as fait jusqu'à le jaloux lui-même est fatigué. Comme elle a fils là. On ne l'arrête pas. C'est comment avec elle? Donc vous pensez que quand vous racontez mon histoire là, vous pensez qu'on ne m'a pas bloqué? Je vous dis que j'avais le blocage plus. Donc le kit de blocage, là, si elle faisait ma part de kit, ça devait être le déblocage plus. Plus. Multipliez ça comme vous voulez. J'étais j'étais ma Jackie. Je faisais le dans 50 business. Chaque année, je commence un truc, ça ne donne pas. Chaque année, je commence un truc, ça ne donne pas. Chaque année, je commence un truc, ça ne donne pas. Donc, elle vous dit, amenez-moi vos enfants ici, parce que je connais ce que je suis en train de faire. Je connais exactement là où je suis en train de partir. Et les programmes que j'ai mis dans cette école, c'est là. Vous avez dit que je veux que les enfants du Cameroun, ici, nos jeunes là, quand ils se lèvent, ils croient en eux. Ce que j'ai mis dans les ateliers de vacances, ce n'est pas les programmes. La femme est précisément pour jouer. Je vais inspirer vos enfants. Restez là-bas pour regarder les gens dans la télé. Regardez-les, vous avez compris. Ne faites rien à votre vie. Parce qu'on parle, non, tu sais, tu ne comprends pas ma situation. Il y a quoi de spécial sur ta situation? Tu es là depuis, tu veux déménager, tu ne fais pas. Tu es là depuis, tu veux partir dans une autre ville, tu ne pars pas. Tu veux lancer ton business, tu ne fais pas. Ton grand frère te donne, il préfère passer son temps à se faire frapper par les femmes dehors. Après, il vient te raconter. Tu as même le temps pour l'écouter. Eh, hey, pardon. J'ai dit que je ne veux pas les faibles followers. Je ne veux pas les pauvres followers. C'est pour ça que mes produits sont chers. Donc, si tu es pauvre, là, ne me calcule pas. On te connaît où? Tu ris. Je ne veux pas les pauvres. Et voilà la façon de réfléchir de quelqu'un, je comprends que la personne celle-là n'a pas l'argent. Elle ne veut pas. Elle va venir ici me donner un mot de tête. Le temps pour jouer n'est pas là. Là, tu attends toujours l'approbation des gens. Vous n'allez très rarement trouver quelqu'un comme ça sur les réseaux sociaux qui va vous parler. Parce que les gens vont venir parler parce qu'ils vont vous flatter pour que vous abonnez. Ne vous abonnez pas. Pas tu gardes ta vie, tu as compris. Voilà, tu me laisses tranquille. Vous êtes il y a quelqu'un qui m'a dit c'est l'autre jour qu'elle s'est abonnée, elle s'est désabonnée 5 fois. Oui. Parce que vous aimez qu'on vous caresse dans le sens du poil. Vous partez faire des bêtises, on encourage. On te voit, on dit, waouh, tu as le pouvoir. Hein. Que les produits. Une d'entre vous m'a raconté son histoire l'autre jour. Elle me dit qu'elle a fait. Elle travaillait, elle chantait dans un cabaret. Et le monsieur lui payait 50 000 le mois. Donc elle chantait, je crois, 3 fois la semaine. Et à un moment, elle commence à. Comme son énergie est en train de monter. Donc elle commence à sentir que 3 jours, 50 000, vraiment, c'est beaucoup. Beaucoup de travail, peu d'argent, elle ne veut plus. Donc. Et on m'a décidé d'arrêter de partir. Elle fait un mois, ne part pas. Le patron l'appelle. Il dit que maman, depuis que tu es parti, mon business est tombé. Il lui demande que je te paye alors combien pour que tu reviennes. Elle dit, on monte 25 000. Il dit que pourquoi tu m'as demandé qu'il te mette, il te dit de donner le double. Même comme ça, ne part pas. Tu vas voir, il va encore t'appeler. Il dit que ouais, pardon, viens. Que pardon, viens. C'est là que tu vas comprendre que ton énergie est en train de monter. Vous vous simplifiez. Vous vous prenez pour 5 francs. C'est pour ça qu'on vous prend pour 5 francs. On dit qu'il y a aussi le regard de la société sur nous qui est un poids. Regardez ma chérie, est-ce que la société te donne l'argent? Supposons, tu dis que bon, il y a ma voisine qui va me regarder mal. Ta voisine est venue te donner l'argent de la nourriture, l'argent de t'occuper des enfants.
Vous tenez compte de l'opinion des gens qui s'en foutent de vous. Parfois, tu veux faire l'enfant. Tu décides de faire ton enfant. On dit non, ne fais pas l'enfant maintenant. Ou bien on te dit non, fais l'enfant maintenant. Quand tu accouches l'enfant, là, il sort. Est-ce que tu as vu quelqu'un que, à Noël, il te dit que voilà, comme tu as accouché, je me rappelle, c'est moi qui t'avais suggéré d'accoucher l'enfant. Oui. Bon, prends l'argent pour Noël, là. Quand la fille est malade, n'est-ce pas, c'est toi qui es à l'hôpital? C'est toi qui es à l'hôpital, non? Quand la rentrée arrive, et si on t'appelle pour voir, je me rappelle qu'en 2014, avant que tu n'accouches, je t'avais suggéré d'accoucher. Bon, comme tu as suivi mon conseil, tu as accouché là, hein. Prends l'argent de la rentrée. Est-ce qu'ils font ça? Je n'interprète pas les rêves. J'ai rêvé que. Tu as vu sur ma tête interpréteuse de rêves. Pourquoi tu te maries pour faire plaisir aux gens? Coucou, oh mon père sera fier de moi. Dès que le mariage est fini, il te dit bye ma fille. Les problèmes que tu as dans le mariage, qui est avec toi? Tu te rends compte que c'est le piège. Pourtant, on dit que non, marie-toi. Il faut déjà que tu te maries. Pense à te marier. Mais ma fille, pense à te marier. C'est une place. Une place. J'ai commencé à acheter les produits chez vous. Ok, Karel. Il faut utiliser, non? Ton mari, tu arrives dans le mariage. Mon frère, 2017, tu étais venu au Cameroun. Non, je suis marié. Il reste qu'on a le premier problème. Maman, personne de ma famille ne m'appelle. Je dis même que voilà, on se. Pardon. Personne. Ma reine, beaucoup des hommes de Dieu me disent qu'il y a des blocages entre moi et mon petit ami. Qu'on est distant. Vous me proposez quoi? Va voir celui qui t'a dit que tu as le blocage. Tu lui demandes la solution. Arrêtez d'aller prendre les diagnostics des gens, venez me demander les remèdes. Voilà vos erreurs. Tu peux voir quelqu'un, et c'est pas, parfois vous là, vous aimez trop qu'on vous donne vos blocages. Oh, je vois une fumée noire sur ton destin. Je vois un voile rouge, vert, jaune sur ton visage. Dis que papa, montre-moi comment retirer le voile là. Comme il a créé le problème là, il faut qu'il te montre la solution. Venez pas me demander ici. Arrêtez ça c'est la bêtise. Donc, pour certains d'entre vous ici, là, vous devez purifier votre atmosphère, purifier votre maison. OK? Brûler les encens à la maison. Certains, vous êtes dans un environnement nocif, mais vous n'avez pas encore. Parce que quand tu rentres à la maison le soir, ça t'affaiblit. Tu ne le fais pas. Tu ne purifies pas ton environnement. Deuxième cas, il y en a ici, là, vous êtes des descendants de Jésus. Vous devez travailler avec Jésus. Appelez beaucoup le nom de Jésus. Et certains ici, là, peut-être dans le rêve, vous allez le voir. Peut-être vous allez le voir, je ne sais pas, des apparitions. Quelque chose comme ça, l'un ou l'autre. Donc, vous travaillez avec Jésus, n'oubliez pas. Certains ici, là, vous êtes des anciennes âmes. Vous avez beaucoup de vie. Beaucoup de vie. Et vous avez une sagesse en vous qui est censée aider l'humanité. Certains ici, là, vous êtes des bêtes, comme les moutons noirs de votre famille. Très rejetés dans votre famille. Très rejetés. Et ça vous fatigue en quelque sorte. Je dirais que vous êtes fatigué d'essayer, vous êtes fatigué. Il y en a ici, là, on a fait des incantations sur vous. On a allé, quelqu'un allait chez le marabout pour te faire, pour te manipuler. Quelqu'un allait pour te bloquer. Voilà. Donc, on appelle ça spell work. Spell work. Donc, on a mis des malédictions sur toi. Maintenant, quand tu écoutes ceci, ces malédictions sont en train de tomber. Le travail spirituel que tu as fait, c'est en train de dégager beaucoup d'énergie. Parce que les malédictions, en fait, on envoie une énergie sur toi.
qui vient t'attacher. To bind you. Bind you. Il y a des personnes qui ont fait qui ont voulu te contrôler. Genre, elle va seulement écouter ma bouche. Elle va seulement écouter ce que j'ai dit. Et c'est parce que ces personnes ont vu votre lumière. Parfois aussi, c'est parce que ces personnes-là ont... ces personnes-là, je vois aussi une sorte de jalousie. La jalousie, c'est pour empêcher que tu ne sois... que tu n'avances. Parce que tu connais déjà tes dons. Tu commences à avoir confiance en toi. Maintenant, ces personnes-là utilisent les sortilèges. La jalousie est pour te bloquer. Supposons la personne voit que, bon, si tu fais dans ça... Un moment, tu seras indépendant financièrement, tu vas sortir de la maison familiale, tu vas... Non, ils viennent, ils bloquent. Et ceux qui vivent encore chez les parents, là, faites très attention. Avant de chercher à partir de la maison, prenez le kit fondation. Le kit fondation. Bonjour Pierre, ça va vous aider. Le kit fondation va te permettre de briser d'abord ces têtes-là. Hier, j'ai une dame qui est venue ici là faire son lavage. Elle est venue ici à marquer pour que je la lave. Elle a attendu presque 4 heures de temps. Elle est arrivée à... 12h45. Je suis arrivé ici là à 16h30. Je l'ai lavé à 17h. Et dans son énergie, elle est sortie de la maison familiale. Elle est partie, elle a commencé à avancer. Elle a tellement été bloquée. Elle est revenue à la maison. Là, elle vit avec sa soeur chez sa mère. Il y a des familles comme ça. Et ce blocage a été dû... Je vois des tentes derrière elle. Tu viens me dire dans le direct que tu n'as pas eu de retour. Hein? Mof. J'ai payé depuis le 31, mais je n'ai pas eu de retour. Écris sur le numéro là où tu as envoyé ton truc. Me tentez pas. Hein? Je n'ai pas eu de retour. Tu as envoyé ta photo à qui? Tu as envoyé ton agent dans quel numéro? Écris sur le numéro là. Tu dis que je vous relance par rapport à mon lavage. Voilà. N'ayez pas m'énerver ici là. Certains d'entre vous, vous êtes des agents. Je vais encore insister sur les incantations qu'on a fait contre quelqu'un ici. Il faut bien que je t'explique. Voilà comment ça se manifeste. Tu essaies de sortir de la maison, tu n'arrives pas. Même si tu sors, tu tournes, après tu reviens. Tu as l'impression que, et tu as 35 ans, je vois quelqu'un qui a peut-être 35 ans, 38 ans, 27 ans et 26. Voilà. Et aussi quelqu'un ici qu'on t'a beaucoup bloqué pour le mariage. On t'a beaucoup bloqué pour le mariage. Je vois aussi même quelqu'un qu'on a fait que tu vas toujours chercher, tu ne vas pas trouver de boulot avec ce que tu as fait à l'école. Quand bien même tu trouves un boulot, tu ne dures pas dans le boulot, là, on te chasse. Il y a une sorte de voile sur ton visage. Oui. Il y a le voile sur ton visage. Il y a aussi une autre personne ici. On a fait déjà que tu pars en mariage, après tu reviens. Tu pars en mariage, après tu reviens. Oui. Voilà, Doliane dit que son histoire est similaire à celle de la dame. Tu sors de la maison, après tu reviens. Avant d'essayer de sortir encore de la maison, travaille sur toi. Et je me rappelle hier, quand je travaillais sur la dame, avant qu'elle ne parte, l'esprit me dit, dis-lui de payer sa dîme. En fait, elle avait payé, elle avait apporté sa dîme, elle avait oublié dans son sac. La dîme aussi va vous aider à briser ses chaînes. Les consultations, ça se fait à distance. Il y a des périodes où on a actuellement en promotion. Donc, la consultation actuellement, c'est à 60 000 avec le lavage. Donc, j'ai commencé à faire le lavage avant-hier. Je vais terminer ça aujourd'hui. Je consulte à distance, s'il vous plaît. Donc, pas besoin de venir à ma cape forcément pour me voir. Voilà, après l'école, depuis 11 ans, tu n'as pas de boulot. Il y a beaucoup de trucs comme ça dans votre famille qu'on fait sur vous. Et puis aussi d'autres que je vois que ce qu'on t'a fait, c'est quoi?
On a bloqué pourquoi tu ne partes pas en Europe. Quand tu es parti, on a bloqué que, ok, comme elle est partie là, elle ne va plus avancer. Donc tu es en Europe depuis longtemps. Depuis longtemps. Et tu n'as pas de papier, tu n'as pas de situation. Tu as l'espoir, tu espères vraiment, tu essayes, mais c'est, tu es bloqué, on t'a bloqué. Il y a aussi quelqu'un qu'on a mis le manque de faveur entre ton, le père de ton enfant et toi-même. C'est-à-dire que c'est pour bloquer ton enfant. Waouh, Léo Kava. Il faut m'envoyer ta photo, je te fais un lavage. Pas de diplôme. Ça, c'est les limitations. Vous savez, chaque famille a ses jougs. Chaque famille a son joug. Donc, j'ai dit la consultation à distance. Consultation pour ce lavage, c'est 60 000 en promotion actuellement. Normalement, je consulte seulement à 65 000. Mais actuellement, pendant un mois, le mois de juin, consultation et lavage, c'est 60 000. Bonjour, monsieur Abessolo. Je vais t'interviewer aujourd'hui. Monsieur Abessolo va vous raconter son histoire aujourd'hui. Il riait. Donc, on a fait l'interview de monsieur Abessolo officiel tout à l'heure. Préparez-vous pour ça. Voilà. Vous allez rire jusqu'à. Il a les histoires. Donc, l'inimité qu'on a mis entre toi et le père de ton enfant, c'est déjà pour bloquer ton enfant en avance. Parce que quand ton enfant est né, on a vu la lumière de cet enfant. Je sens vraiment une maman ici là que ton enfant sent, il est tellement rejeté. Et ça fait maintenant que c'est en train de conduire à la tétutesse. Je vois aussi une autre personne que depuis, tu avais un homme, il veut même reconnaître ton enfant, mais ça bloque beaucoup. Tu es d'une famille recomposée, tu as voulu, tu as tes enfants, il a ses enfants. Mais il y a beaucoup de friction. Vous vous aimez bien, ça va un peu, ça va. Après un moment, là, il y a les problèmes. Ça, c'est ce que les gens ont fait. Parce qu'on ne veut pas que tu aies la paix dans un foyer. Je vais vous raconter l'histoire de M. Abessolo. Pourquoi? Quand il a commencé son mariage, quand il s'est marié, leur foyer commence avec 7 enfants. 3 de son côté, 4 du côté de sa femme. Vous allez écouter son histoire, vous allez comprendre. C'est hier qu'il m'a encore bien raconté son histoire. Ils avaient voir. Vous allez comprendre son histoire aujourd'hui, vous allez voir. Donc je vois quelqu'un ici là, tu as recomposé, donc tu avais un mariage avec ta femme, avec tes enfants. Et il y a des moments, c'est en train de venir faire l'harmonie, mais un moment, ça vous secoue. Voilà, un moment, ça vous secoue. Un moment, vous voulez vous entendre. Ah, après, dès que ça va aller comme ça, là, tac, zizanie, problème, problème. Voilà. Donc, il y a des gens qui sont en train de, qui ont mis la main pour que tu ne sois jamais heureuse dans ton foyer. Pour que tu n'aies jamais un foyer stable. Si c'est ton cas, il faut que tu me contactes. Ça, je sens qu'il y a l'énergie de ça sur moi maintenant. Les prochains jours, c'est là. Pour pouvoir travailler là-dessus. Voilà. Donc, il y a peut-être 3 rituels que je vais faire pour couper les cordes. Contacte-moi. Tu vas me payer 50 000 francs pour ce travail-là. Foyer recomposé. Harmonie dans le foyer. You are a child of God. Ok, bon, je continue mes lectures de cartes. Mais pour les malédictions, là, je crois que j'ai beaucoup insisté dessus parce qu'on me montrait que ces malédictions, ces incantations-là, en fait, tu avais une idée, mais tu doutais. Du coup, tu ne comprenais pas. Il y a un passage de la Bible où Jésus arrive quelque part. Oh, vous bagarrez, petit oiseau, on ne bagarre pas ici, hein. Ok. Donc, oh my God, oiseau, vous m'avez distrait. Qu'est-ce que je disais là? Je parlais de quoi? Donc voilà, dans la Bible, il y a une histoire où Jésus arrive quelque part, on lui raconte une histoire et on lui dit, mais pourquoi est-ce que ça fait comme ça? Il dit qu'un ennemi a fait ça. An enemy has done this. C'est-à-dire, il y a des personnes qui se lèvent. Leur but, c'est de vous bloquer. Leur but, c'est de vous bloquer. Mm-hmm.
J'ai l'impression de stagner. Ok. Ma tante m'a dit que je ne serai jamais heureuse dans mon mariage, dans le rêve. Voilà. Parfois, on vient même dans le rêve te montrer exactement ce qu'ils ont fait. Donc, je sens vraiment les sorts, les mauvais sorts. Donc, je vais faire les rites, les rituels pour les mauvais sorts. Si tu sens que... Parce que j'ai annoncé un rituel pour briser les malédictions qu'il y a sur vos enfants venant de leur papa. J'ai annoncé ça dans la vidéo avant-hier. J'ai des personnes qui ont souscrit pour ça. Donc aujourd'hui, si tu écoutes cette vidéo, tu tombes dessus, c'est que c'est ta part, c'est pas par hasard. Maintenant, ce que je ferai comme rituel, c'est pour briser les sorts, les mauvais sorts familiaux qu'il y a sur vous. Mauvais sorts de mariage, mauvais sorts qui t'empêchent d'être heureuse dans ton foyer, mauvais sorts qui t'empêchent de sortir de la maison familiale. Voilà, voilà le travail spécifique. Donc, spell work. I want to break that, those spell work. Voilà. Donc, vous me contactez en inbox pour ça. Beaucoup d'entre vous, on va vous parler dans les rêves. Vous savez que vous êtes né pour être des légendes. Vous êtes né pour être connu. Quelque chose en toi te dit que tu es né pour être connu. Tu sais que tu es censé être connu. Le rituel des enfants. Peu importe ton nombre d'enfants, c'est 100 000 francs. Steph, bonjour. Si tu as un enfant, c'est 100 000. Tu as deux enfants, c'est 100 000. Tu as trois enfants. Donc, je mélange tout ça là et je fais. Voilà. Certains, il y a les anges qui vous protègent. Maintenant, les anges me disent, je reçois ce message de vos anges. Parfois, tu as besoin de faire un travail spirituel sur ça pour leur donner, sur toi pour leur donner accès. Parce que je vois quelqu'un comme si on a couvert, on a mis une sorte de coquille qui empêche que tu ne reçoives ce que tu es censé recevoir de tes anges. Donc maintenant, il y a certains travaux que parfois je fais sur toi, ça casse la coquille. Ça casse la coquille pour que tu écoutes, pour que tu fasses ce qu'ils te disent. Voilà. Donc les anges te protègent. Pour quelqu'un ici, là, tu as le don du courage. Tu as le don du courage. Bon, pendant que tu m'écoutes, le courage est déposé sur toi. Et il y en a ici, là, vous êtes protégés. Vous avez une protection divine intense. Donc, je sens qu'il y a quelqu'un qui est en train d'écouter et qui se dit, ah, est-ce que ce qu'elle dit là, c'est vraiment ça? Donc, tu es en train de m'écouter, mais tu doutes de toi, en fait. Tu te dis, ah, ça ne va pas servir. Tu écoutes, mais tu te dis que, ah, est-ce que... Tu as même dormi. Voilà le sommeil dans tes yeux. Pourquoi tu portes tes chaussures qui ne sont pas noires? Tu ne veux pas travailler aujourd'hui, il faut rentrer à la maison, avant de te reposer. Regarde tes yeux. Non, tu es fatigué. Demande à deux personnes là-bas si elles se mettent dans tes yeux, on va te dire. Tu as dormi à quelle heure? Je vais avoir dormi, mais après, je suis réveillé les deux. Je crois que j'ai dormi à 3 heures. Et tu te réveilles à quelle heure? Tu as le sommeil dans les yeux. Je vais mettre la chambre de sommeil ici au centre. Vous allez souvent dormir. On y a la carte de l'abondance. Ton abondance est là. Ça, c'est ta saison d'abondance. Il y a aussi le succès qui arrive. Il y en a ici, vous êtes des guérisseurs. Et ton pouvoir de guérison est en train de s'accentuer. Ton pouvoir de guérison est en train de s'accentuer intensément. Il y en a ici, là, c'est ta saison de prospérité. Tu n'as plus peur. Tes enfants n'écoutent pas. Ils vont m'envoyer leurs photos, je fais le travail. Je vais travailler un peu sur eux pour enlever s'il y a des influences extérieures sur tes enfants. Voilà. Bon, j'ai terminé ce que je devais faire avec vous aujourd'hui. Je te bénis, Manilov. Bon anniversaire. Je ne sais pas pourquoi vous demandez les bénédictions seulement un jour de l'année.
Global Energy, tu veux une solution. Le problème, c'est que, est-ce que je te lave déjà avec le sel au moins? Je vais arrêter TikTok. Certains, vous devez travailler avec les cristaux. Portez les cristaux sur vos mains. Oui, portez les cristaux sur vos mains. Vous passez une bonne journée.